goblin, une sorte de lutin qui aime vivre dans les grottes. Il avait élu domicile au sein de la cité souterraine il y a plusieurs années déjà. Porté disparu suite à la réunion centenaire de 2020 des monstres et créatures de Picardie. Il était le propriétaire de l'hôtel de Naour, comme on dit. Je suis chargé de l'enquête. Plusieurs pistes s'ouvrent à nous. Disparition volontaire, suicide, assassinat, kidnapping. Indice, pièce à conviction, trace de lutte sans doute. Chaussures, celles d'Air Goblin. Il ne mesure pas plus de 60 cm. Obligé de se chausser rayon enfant. Pour le moment, nous ne savons qu'une chose, nous ne savons rien. Les bêtes et autres fantômes de la Réunion et de l'hôtellerie sont sommés de rester dans les souterrains afin de se soumettre aux interrogatoires. C'est parti. Mais vous savez déjà tout, à quoi ça sert que je recommence? Vous aviez qu'à filmer la première fois. Marie Groette, mi-fée. Mi-sorcière, ancienne sirène. Je hante en général les puits, les mares, les étangs, les marécages, les rivières, les cours d'eau, tout ce qui contient de la flotte par Neptune. Je chasse en dehors de mes chez-moi. Suffit que quelqu'un passe à proximité et par ici le garde-manger. Parfois, je m'égare sur la terre ferme. Je me faisais une joie de ce congrès, pouvoir raconter mes vieilles histoires quand je faisais le chavirer le cœur des marins à Ithac. Je me suis toujours très bien entendu avec Esh Goblin. Pourquoi j'y aurais voulu du malheur? Puis c'est sec, un gobelin. Je préfère de loin bouffer les gamins. Vous vous êtes intéressé du côté de la mariée? Il paraît qu'elle n'a pas été satisfaite lors de ses noces. Ça l'a foutu dans une colère folle. Ah non, mais là, c'est ridicule. Pour la dernière fois, je ne suis pas une mariée. J'emprunte simplement les vêtements des gens qui me conduisent. Alors oui, c'est une robe. Quelle drôle d'idée. J'habite dans le noir, vous voyez, la nuit... où il y a des trésors. Je suis genre une protectrice, voyez-vous, une damnée en fait. J'avertis aussi les aristocrates quand ils sont proches d'une mort certaine. C'est la moindre des choses. Ma mère et ma cousine m'ont averti des histoires qu'allait faire ce congrès. Et je vous avoue que c'est bien la dernière fois que je vais défendre la cause des dames blanches. Non, parce que c'est fatigant. Ça me retombe toujours dessus, ça me fait des rides. Et surtout que je suis pas la créature la plus impressionnante. Regardez là, l'autre... le Warou là.
mi-homme, mi-loup. Rien à ajouter. Parlerai pas sans mon avocat. Ça m'a déjà joué des tours il y a quelques siècles. Ameke, enchanté. Esprit du feu, feu follet, j'adore la campagne. Ah oui, vous avez vu? Nouvelle coupe, ça me va bien? Avec ça, on m'aperçoit de loin. Vous savez, quand la nuit tombe. Ah, je suis festif. Je suis très festif, c'est pour ça que je me faisais une joie de venir pour ce centenaire. Ah ça. On m'avait promis de l'animation. Ah ça, il y a de l'animation. Non, personnellement, je n'ai jamais rencontré Sœur Goblin. Un vrai con, à ce qu'on m'en a dit. Mais bon, propriétaire des lieux. Chouette lieu, d'ailleurs. La cité souterraine de Naour. J'ai eu le temps de faire un tour tout à l'heure, vous savez, avant tout ce tintouin du côté des murs. Bon, la décoration est un peu... rudimentaire, le confort. Vous voyez, c'est modeste. Mais bon, pour un regroupement de monstres, c'est pas mal. Et puis, les voisines ici sont plutôt agréables. Elles ne font pas de bruit, vous savez, les petite chauve-souris. Non, rien, vraiment, je vois pas. Je vois même pas qui c'est, Gobelin. Il est à hauteur d'Arteil, alors... Ron ou René, les deux, ça me va. Ogre mangeur d'enfants. Créature sympathique. J'essaye de... de m'éloigner de ma famille, découper les ponts. J'ai envie de vivre une vie plus moderne. Oui. Oui, je vis dans les endroits sombres, oui. En général, je préfère. J'observe les proies, je les attrape et je les dévore. Oui. Non, je suis pas venu au congrès pour ça, non. Non, j'avais déjà mangé. Et puis j'aurais pas mangé Monsieur Gobelin. Hein. Vous m'enquiquinez à la fin, et encore je reste poli. Hein. Mi-homme, mi-loup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Lycanthrope, L-Y-C-A-N-T-H-R-O-P-E. Plusieurs causes, mais pas déterminées par mon médecin traitant. Malédiction, rituel volontaire inconscient, ça peut être psychosomatique aussi. Morsure, ou griffure passée, je me souviens plus. Mais pleine lune, ça c'est sûr. Et puis en même temps, un gobelin. Sérieusement, j'ai une force colossale et je m'en prendrai un gobelin. Un seul en plus. Quitte à me lancer là-dedans, autant décimer un peuple entier? Alors la blague! Appelez mon avocat! Sinon, je peux aussi mettre ma démence en avant. Je me rappelle jamais de ce que j'ai fait en pleine lune. Et pourquoi forcément les convives? Allez voir les serveurs, il y en a plus d'un qui a l'air louche. Tout le monde se réunit dans la salle des congrès. Tout le monde se réunit dans la salle des congrès. Tout le monde se réunit dans la salle des congrès. Dans la salle des congrès.
Cadavre, introuvable. On ne sait toujours pas si c'est une disparition ou un meurtre. Lieu du crime, la cité souterraine, ses coins et recoins. Pièce à conviction, morceaux de vêtements, traces de sang, chaussures. Élément manquant. Mis à part notre hôte. Suspects. Tous. Ce sont des monstres. Mais c'est l'esprit du feu qui a prévenu. Où était la victime avant cela? Allez savoir. Elle nourrissait des chauves-souris, peut-être. Il y en a qui se tassent un peu trop. Garou n'y est pour rien. Il était humain. Allez régler ça avec eux. Ça suffit. Moi je dis, on s'intéresse pas assez au petit personnel. Cette cité a besoin d'un bon coup de feu. C'est pour ça que j'ai fait prévenir la police. Moi, je veux juste rentrer chez moi près du virage, c'est tout. Moi, j'ai coupé les liens avec la famille et j'avais déjà mangé. De toute façon, on va tout me coller sur le dos. Mobile. Mobile, mobile, mobile. Ah. Air Goblin est un solitaire, vieux, aigri, bourru. Il est le propriétaire de la cité. Jalousie, convoitise. Il va falloir m'aider. À vous de résoudre l'énigme.